Hello, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est une séance avec Dior. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas sur YouTube, je vous invite à aller voir mon compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. C'est la première fois que je fais ce format de vidéo, donc j'espère que ça va le faire. Quand j'arrive, du coup, je dis bonjour à tout le monde, les chats, les chevaux, et ensuite je viens chercher Dior. Une fois qu'il est à la stalle de pansage, je lui enlève la couverture et je commence à le préparer. Et donc je vous laisse avec des extraits de la séance. Il faut juste remettre dans le contexte que Dior a été arrêté pendant 2 mois et qu'il a 6 ans, donc il y a des choses qui sont pas parfaites. Il apprend, moi aussi. Donc voilà. Thank you.
Dans l'ensemble, c'était une bonne séance. On recommence à travailler des choses un petit peu plus compliquées et il le fait bien. Donc je suis assez contente à ce niveau-là. Après, on a des petits problèmes. Réception des barres au sol où il part un petit peu avec son avant-main et ça peut nous poser problème en concours. Donc j'essaye de le travailler un maximum et je pense que ça va venir bientôt, ou du moins j'espère. Je finis toujours mes séances avec un petit peu trop reine mi-longue pour essayer de lui tendre le dos et qu'il mette son bonnet vers le bas. Pour l'instant, c'est pas ça, mais il donne quelques foulées, donc je le fais quoi qu'il arrive fin de séance. Et au bout d'un moment, pareil, ça va venir. Du coup, une fois que j'ai fini ma séance, je le remets à la stalle de pansage, je décèle, je lui donne des carottes. Là, en l'occurrence, il transpirait beaucoup, donc j'ai mis sa petite couverture et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec une image qui le met bien en valeur.